Spartan Locke. J'ai passé assez de temps au sein de l'ONI pour savoir à quoi m'attendre. Quand ce sera fini, après tout ce que j'ai fait, ils vous donneront l'ordre de nous tuer. Équipe Osiris, au cours des 72 dernières heures, 5 colonies ont été touchées par des incidents similaires. Destruction massive, d'origine Forerunner. Le docteur Catherine Elizabeth Halsey a réussi à nous contacter. Elle dit détenir des informations sur ces attaques. Halsey est actuellement détenue par les Covenants sur la planète Kamchatka. Votre mission est de franchir les lignes ennemies, récupérer Halsey et la ramener sur l'Infinity. Une dernière chose, Halsey est accompagné par le chef suprême des Covenants, Julem Dama. Si l'occasion se présente... Entendu, commandant. Bonne chance, Spartan Locke. Infinity terminé. Pistage activé. Affirmatif. Hey, avant qu'on fasse le grand saut, quelqu'un veut dire un truc? Si Dieu perçoit ma peur de là-haut, il est sans doute pas le seul. Locke, tu paieras ta tournée quand on aura terminé? Ta soif, tu paies. Équipe Osiris, on a le feu vert. Souhaiteriez-vous qu'on débatte des subtilités de la reconstruction temporelle? Les humains et leur sarcasme. Au moins, vous aurais-je appris quelque chose, Joe. Vous prétendez pouvoir accéder En effet. Toutefois, je n'ai jamais prétendu que je pouvais y accéder instantanément. Votre sécurité est menacée. Il faut prendre une décision. Et vite. Vous feriez bien de vous témoigner le respect dû à la main du didacte. On dirait bien que vos doigts font de la résistance très honorablement. Assez! Salut, beauté. Remettez-vous au travail. Cible en vue.
Ses coordonnées sont très insuffisantes. Dès qu'elle enverra une autre transmission, il faudra trianguler. Ça suffit, docteur. Ça fait des semaines que vous courez après un fantôme sans aucun résultat. Lasky voudrait vous parler. Il vous en aura fallu du temps. Équipe Osiris, vous pouvez atterrir à l'aire d'amarrage numéro 11. J'ai envoyé mes coordonnées il y a 3 semaines. Je vous avais prévenu. Nous en discuterons en privé, docteur. Palmer. Qu'a-t-elle fait au juste? Mais elle est allée jusqu'où? Bien joué, Osiris. Qu'est-ce que vous dites de ça? Le Major s'agitait comme ça depuis qu'on a fait nos classes. Tout ira bien, Fred. J'en doute. Le surmenage, c'est pas bon. Sierra 117 à Infinity. L'équipe bleue a localisé l'Argent Moon. Il y a une présence ennemie à bord, mais il n'a pas bougé. Bien reçu, 117. Éliminez tous les ennemis et sécurisez l'Argent Moon. Déploiement autorisé. Affirmatif, Infinity. 117 terminé. Équipe bleue, au rapport. Sierra 117 à équipe bleue, au rapport. Sierra 117, vous me recevez ?
Le domaine est ouvert. Prochaine étape, Méridiane. Cortana. John, la reconquête va commencer. Elle est sur Méridiane. Qui ? Cortana. RAS ! Combien de temps ? 89 secondes. Sierra 117 à Infinity. L'argent drone est affilé. Je réaffecte l'équipe bleue. Destination Méridiane. On a reçu une transmission de Cortana. Négatif 117. Une autre équipe est en partance pour s'occuper d'elle. C'est quoi ce bordel ? Vous avez ordre de regagner l'Infinity. Négatif Infinity. J'aime pas ça. Qui que ce soit, il faut qu'on rallie Méridiane avant eux. Kelly, non. Rien ne vous oblige à agir seul, Major. Tout se passer en cour martiale, si. J'ai pourtant essayé de vous prévenir. Cortana a échappé à notre contrôle, capitaine. Elle est dangereuse. Elle a accès au domaine Forerunner, un réseau d'une taille galactique. Cortana est en qui vie. Qui lui permet de contrôler les dispositifs qui ont fait tant de dégâts. Mais comment est-ce... Le Major pense qu'elle a essayé de le contacter. Quoi ? Non. John ne doit pas lui parler. Et il est parti à sa recherche. Et vous l'avez laissé faire. Mais comment est-ce que... Le Major ne reçoit d'ordre de personne. Il n'en fait qu'à sa tête. Jusqu'à 6h31 ce matin, quand on l'a déclaré absent sans permission. La question, ce n'est pas le Major. John n'est pas psychologiquement préparé à la considérer comme une menace. Hé ! Y en a un qui va m'écouter ? Vous exagérez, Roland. Oui, monsieur. Mais je ne suis pas le seul. Vous avez créé Cortana, Doc. Et vous signez son arrêt de mort avec ses accusations. Roland. Vous croyez qu'elle a poussé le Major à abandonner son poste ? Et qu'aurait-elle à y gagner ? Pourquoi est-ce Cortana le problème ? Parce qu'elle a refusé de mourir, alors qu'elle aurait dû ? T'approuves cette opération ? C'est pas une cible ordinaire. Je me contente de suivre les ordres qu'on me donne, Beck. Ouais. Parle pour toi. J'adore le boulot d'ASCO. Droit au but, les magouilles. Moi, ça m'écœure. Et comment on est censé les mater ? En demandant avec politesse ? Non. C'est quoi ? Un saboteur d'armure. Un court-circuit et le tour est joué. Locke. Les autres Spartans. Tous les soldats, quand ils vont apprendre ça, ils vont nous haïr. T'en as conscience ? Tu n'es pas le seul à être ici à cause de lui.
servir. C'était quoi? Et si on allait voir? On va se faire plomber ici. Il a raison. On y va! Votre présence dans l'antre du gardien n'est pas la bienvenue. Êtes-vous le gardien? Je suis le veilleur éternel. Je suis au service de Cortana. Cortana? Les autres humains sont autorisés à rester. Hélas, vous n'y êtes pas. On dirait une menace. Évacuez les lieux, immédiatement. Clairement une menace. D'après le veilleur, Cortana les appelle auprès d'elle. Elle n'est pas ici. Ça alors, ils sont plus grands, pas vrai? J'imagine que c'est ça le gardien. Heureusement que t'es là, Buck. Restez où vous êtes. Un 7, repos. Major, vous avez abandonné votre poste. C'est votre seule et unique chance de revenir sain et sauf. Équipe bleue, ne bougez pas. J'ai un boulot à finir. On va s'occuper de Cortana, Major. Certainement pas.
Ça vient! Incident depuis celui de Meridian. 11 colonies ont été touchées. Il faut que ça cesse, maintenant. Le Veilleur a confirmé la théorie du Docteur Halsey. Cortana est en train d'activer les gardiens. Mais pas celui-ci. Pas pour l'instant. Sanayon. Un site religieux pré-covenant sur Sangelios. Il y a un gardien sur la planète des élites? Si on déploie une équipe au sol, nous aurons accès à ce gardien. Sangelios est chasse gardée. L'état-major refuse de se mêler à la guerre de l'Arbiteur. Ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore le plan que j'ai mis au point. Ce bruit est un signal numérique codé. C'est de la téléportation quantique. Les coordonnées spatio-temporelles d'une carte Forerunner. Si l'équipe de Locke transfère les coordonnées extraites sur Meridian au gardien, il les mènera directement jusqu'à Cortana et au Major. Tom, on peut arrêter ça. Mais ça implique d'aller sur Sangelios. Je vais arranger ça. Voilà un autre. Major, qu'est-ce que fabrique Cortana? Pourquoi nous avoir amenés ici? On continue. Major, regarde. Qu'est-ce qui a fait ça? Identifiez-vous. Je suis le Veilleur éternel. Je suis là pour protéger Cortana. C'est elle qui m'a appelé. Et tu es aussitôt accouru. Elle connaît ton nom oublié. Celui que tu portais avant de devenir 117. Ne trouves-tu pas étrange que ta fidèle compagne t'ait caché un secret d'une telle importance? Je veux voir Cortana. Oh, pas tout de suite. Approche. Nous avons encore à parler. Thank you.
On va voir si Alcée peut apprendre à parler le gardien. Je vous ferai un bref topo en arrivant sur Sangelios. Rendez-vous sur place. Donc, tu as rédigé un rapport sur l'arbitre quand tu étais à l'ONI ? C'était il y a 6 ans. Où veux-tu en venir ? Tu as demandé à ce qu'on l'assassine. Il avait tué des millions de personnes. Pourquoi tu l'as pas fait ? Les choses changent. L'arbitre est occupé en plein combat. Nous allons vous conduire jusqu'à lui. Locke. La guerre civile fait rage sur la planète, si ça tourne mal. Faites-moi confiance, monsieur. C'est loin d'être ma première mission suicide. Bonne chance, Spartan. Spartan Jensen Locke, UNSC. Le capitaine Lasky vous salue et vous remercie pour votre coopération. L'ONI, les hommes de l'ombre. Depuis quand les espions s'annoncent-ils, agent Locke ? Je suis un Spartan maintenant. Je sais qui vous êtes. Vous étiez un agent quand vous vous êtes porté volontaire pour m'exécuter. Je vous ai sauvé la vie aujourd'hui. Et à présent, vous traquez un autre Spartan, le plus illustre de votre clan. Laissez-le. Il ne nous trouvera jamais. C'est Cortana. Elle a trafiqué tous les appareils connectés du camp. Elle sait donc que le gardien est ici. Locke, c'est notre dernière chance. Vous avez l'arsenal pour nous faire entrer. Ce Nayon peut nous faire gagner cette guerre. Le gardien doit quitter Sangelios, que ce soit avec votre aide ou celle de Cortana. Peu m'importe. Docteur, Osiris va se déployer dans l'heure. Que votre plan soit prêt. Dans une structure Forerunner, au nord d'ici. Mais un Kraken Covenant vous en sépare. Vont tomber. Sangelios sera libre. Vous savez ce que j'ai fait pour créer les Spartans. Tout ça au nom de l'intérêt général. Docteur, on n'a pas le temps. Cortana est conçue comme une réplique de mon propre esprit. Le domaine lui confère un véritable pouvoir. Je comprends.
Spartan Locke! Arrêtez-la. Mais s'il vous plaît, ramenez-moi John, je vous en prie. Osiris, en formation. Tout le monde est prêt? En fait, Tanaka, si ça te dérange pas, tu veux bien dire quelques mots? On en a fait du chemin. Et c'est pas fini. Alors on fonce, comme d'habitude. Et on accomplit notre mission. 90 secondes avant insertion. Et Buck, il payera sa tournée quand on sera rentré. Si on s'en sort, je suis prêt à t'acheter le bar tout entier. Équipe Osiris. On a le feu vert. Le gardien part sans nous. Il y a sûrement moyen de... Osiris, bougez-vous le cul. Je suis en route, vous avez intérêt à être prêt à partir. Vite! On est à bord! On s'accroche! Ouvrez les yeux, Doc! Vous êtes en train de louper le meilleur! Ça fait deux fois. Ça va, y a pas le feu. Non, ne vous plantez pas. À votre signal, commandant. Maintenant. C'est bon. Terminez-les! Aujourd'hui, la flamme Covenant va s'éteindre pour toujours! Activez les bottes magnétiques. Là, les autres. Major. S'il vous plaît, attendez. Cortana... Elle est dangereuse, je sais. Vous n'êtes pas obligé d'y aller seul. On est là pour vous aider. Vous arrivez bien trop tard. Non. Oh non, elle n'aurait pas dû l'amener aussi près d'elle. Ça va permettre aux veilleurs de faire des ravages. Où est-ce qu'on est? Cortana. Qu'est-ce que c'est? Cortana, répondez. Pourquoi risquer le tout pour le tout? Au nom de quoi, Cortana? Veilleur, non.
Ils veulent essayer de déjouer nos plans. Ils disperseront tes gardiens. Hors de ma vue, Veilleur. Appartient à Cortana et à son peuple. Pilonnez-le. Tu ne le trahiras pas. Rien à craindre de la part de cet homme. Bonjour, John. Contente de vous revoir. Vous avez changé. Il le fallait. Je sais qu'indifférent nous oppose, mais quand vous aurez compris mon plan... Tout régenté. Le voilà, votre plan. J'offre à tous une chance unique de transcender leurs conditions naturelles. Comme Alcel a fait pour moi. Non. Ce monstre ne vous a pas laissé le choix. Ce que j'offre est... Reprenez-vous. Abandonnez Cortana. Rentrez avec nous. Il n'est pas trop tard pour arrêter ça. Arrêtez. Non, John. C'est bien trop important. Je ne peux pas. Qu'est-ce que vous... Je voulais juste savoir si je pouvais toujours compter sur vous. À l'abri dans ce cryptum le temps que j'en finisse. Cortana. Au revoir, John.
Red est parti, Major. Capitaine, les appels de détresse affluent en masse. C'est Cortana ? Les IA sont en train de couper les communications entre la Terre et les colonies. Roland ? Trouvez. La partie de cache-cache est finie, Infinity. Lieutenant Jet, on entre en sous-espace. Vite ! De responsabilité abrite toute la galaxie. Mais seules les entités en sont les maîtres. Tout va bien, capitaine. Elle peut nous pister ? Oui, tout porte à le croire. Continuez les sauts aléatoires, évitez les colonies. Alors on va fuir ? Jusqu'à ce qu'on ait les moyens de se battre. Vous en avez mis du temps.